Et bonjour à vous YouTube, bonjour les amis, nous sommes sur Twitch actuellement, c'est Nicoco, bienvenue les copains, nous sommes sur El Etal Taverne, c'est un jeu un peu de gestion comme Supermarket Together ou Supermarket normal, celui qui était connu, là on doit gérer une taverne, voilà, actuellement je crois qu'il est gratuit, il y a un accès gratuit ou un accès anticipé en gros. N'hésitez pas à le tester et je crois qu'il est en coop. Voilà, c'est surtout ça. Et en français, incroyable. Donc on va tester tout ça parce que c'est un style un peu World of Warcraft au niveau du style. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est mon tavernier. Tavernier cheveux. Noir. Barbe noire. Barbe noire. Oh, barbe noire. Casque. Oh putain, le casque quoi. Oh, ça va bien ça. Pantalon, on s'en fout, ceinturon, normal, bottes, on s'en fout, casque, torse. Oh, les bras de fou. Putain, le type, quoi. Sourcils, évidemment. Évidemment, on laisse comme ça, appliqué. Allez, ça c'est mon beau gosse. Nicoco, oui, appliqué. Allez, nouvelle partie, c'est parti. Oh, j'ai été chargé, mais tu as bien raison. Taverne 0, taverne Nicoco. Voilà. C'est parti. Allez, je vous montre. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Oh, putain, ce bordel. C'est déjà le bordel. Nicoco est connecté. Parlez au marchand. Greetings, traveler. Thinking about buying a tavern, I suppose? Well, today is your lucky day. The tavern we're standing in front of has just been put up for sale. Don't rush to spend your money. Try on the role of an owner. Test yourself. Nice to meet you. And who might you be? I'm a simple merchant. I was about to set off looking for a busier place, but perhaps I'll stay. I see potential in you, and where there's potential, there's trade. En gros, il allait partir, mais voilà, il est tout compte fait, le reste. Putain, je le sens hyper fort. And I'll also share some news with you. What a wonderful place, and such kind people. Our land is wonderful indeed, but it's not always peaceful, especially at night. Dans les bois, les marais, monsters roam the forests and swamps, disturbing the peace, but don't be afraid. I have weapons too. Could you elaborate on that? Don't sweat it. It's mostly just village ghost stories, but getting an axe is a good idea. You'll use it to keep things in line at the tavern, and to send any troublemaker packing. You have a way with words. And try not to stray too far from the tavern. If you wander off, other buyers might come along, prove to be more decisive, and you'll miss out on this fantastic opportunity to become the owner of this tavern. Understood. I'll hang around nearby. Sa proximité, bien sûr. Acheter une hache. Outillage. Alimentation. Hache. 200 pièces d'or. Allez, c'est parti. Et ta gueule à tout là. On va ouvrir la taverne. Allez, c'est parti. Ouais, il fait nuit. Pour rien. Allez, on allume. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça, la petite taverne qui est incroyable. C'est parti. On pète tout. Acheter un balai. Vous allez voir, mais le balai, ça fait très house flipper là. Greetings, traveler. Un petit côté comme ça. Outillage, le petit balai à 200 pièces. Allez. Alors, quand vous appuyez sur table, vous avez des recettes pour la bouffe et des quêtes. Faites un peu de ménage. Enlever des flaques, etc. Là, par exemple. Hop. Là, vous le dégagez. C'est incroyable. Vous voyez, hop. On nettoie ça. Parce que plus c'est sale et plus c'est pas bon. Ça, les gens, ils viendront pas. Simplement. Soldarier. Incroyable. On dégage ça. De toute façon, faut le faire.
Le dernier, il y en a une là. Hop là. Impeccable. Acheter. Ah ouais, allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Vous voyez, après, vous avez des niveaux. Ça pour augmenter niveau, vous ouvrez tout ça, quoi. Ça, c'est cool aussi. Alors, le problème, c'est que si je joue à ce jeu, je vais jouer tard. C'est ça qui m'embête. Hop. Outillage, non, meubles. Acheter. 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 Yes. On court, on court, on court, on court, on court, on court. On va tout mettre ça en place. Hop, ça on le met là. Tac. Ça, la vaisselle pour le coin. Ça, la marmite. La marmite. Hop, le fût. Là, le fermenteur exactement. Et ça, bien sûr. Hop. Ça dégage. Voilà. Hop. Alors. Acheter un fût, acheter de l'orge. L'orge. Un fût, une chope, une assiette, on prend. Ça aussi, on prend. Voilà, c'est parti. Allez, on va tout installer. On va tout installer comme il faut. Bien sûr, faut tout péter là. Voilà, et quand on arrive derrière, hop, un puits pour remplir l'eau. Le seau d'eau, bien sûr. Donc ça nous donne une réserve de 10 sur 10 en seau d'eau. Préparer un moût d'orge. Allez, c'est parti. Malt d'orge. Donc il nous faut 10 d'orge, de l'eau. Et on cuisine. On laisse tourner. Table. Tête. Au fourneau. Voilà, on doit fabriquer tout ça. Et dès que c'est fini, en fait, on va mettre ça. Pendant ce temps, on nettoie. Et après, on va pouvoir ouvrir le magasin, bien sûr. Et ça va nous prévenir quand c'est fini, vous inquiétez pas. Normalement. Pas de pot d'araignée, il n'y a rien. Ok, normalement ça prévient. J'attends de voir. Ben, ça nous a pas prévenu. Youpi! Un fût de bière. Hop! Et 5 d'eau. C'est parti. Bon, c'est pas tout ça, mais bonne nuit. Ben, bonne nuit à toi, chouchoutre. Hop. Allez. Je pose ça. Ça. Oh, c'est marrant ça. Remplissez une chope de bière. Ah, attendez. Je vais remplir mon seau d'eau. Je sais pourquoi je fais ça parce que. Parfois je me fais avoir. Chope de bière, c'est parti. Et voilà, chope de bière posée. Il faut acheter une table, bien sûr, pour accueillir les clients, évidemment. Greetings, traveler. Je me acheter une table. Parti. Poser la table. Première table. Je vais la poser comment? Comme ça. Et après, je poserai une là, une à une. Ah, pas mal. Préparer un porridge. Allez, c'est parti. Il faut de l'orge. Allez, c'est parti, on va chercher de l'orge, on va l'acheter. Évidemment. Greetings, traveler. On achète de l'orge, 120, c'est parti. Hop. 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 Tac. De l'orge. Non, c'est de l'eau, pardon. De l'eau. Et let's go, on cuisine. Et ça cuit, ça cuit. C'est trop génial. J'adore ce style. C'est un truc sympa. Et ça, on peut jouer à plusieurs. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment fun. Il y a plein de trucs à faire. Même pour s'occuper de la cuisine, il y en a un qui s'occupe des clients. Il y en a qui fait la vaisselle. Menu.
Oh. D'accord, c'est pas mal ça. Ok, je savais pas. En fait, tu le rajoutes dans le menu. Parce que moi, j'avais testé, il y avait un nouveau objet que je pouvais faire. Et je savais pas pourquoi les gens ne le prenaient pas. Mais en fait, c'est parce que j'ai oublié de le rajouter dans le menu. Pas mal. C'est pas mal. Juste un truc, c'est variété 100%, d'accord. Donc là, j'ai ce qu'il faut. Ce que je vais faire, je rajouter, vu que les clients vont arriver, je sais qu'il me faudrait une shop de plus. Bon, une shop de plus. Un top 2 et 2 comme ça. J'ai pas besoin de plus pour le moment. Au niveau des meubles, on pourra rajouter une table plus tard. Et pour le moment, on prend ça. Voilà, les gens, ils arrivent. Et si je fais le tour, est-ce qu'il y a des monstres pour le moment? Est-ce qu'il y a des petits monstres qui vont venir m'emmerder? Non, je dirais pas. Je sais, il y a des genres de zombies après. Des vilains zombies. Attendez. Profitez. Et de l'eau, toujours. Et du coup, il faudra remplir pour nettoyer. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il te faut, madame? Bien sûr. Cope de bière. On va remplir ça. Voilà. On va remplir le seau d'eau. Ok. Donc on prépare. En fait, ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est que vous pouvez préparer vos bières. Ouais, vous pouvez payer en avance. Enfin, préparer en avance. Là, je remplis mes trucs de porridge. Comme ça, au moins, s'il y en a qui en veulent. Vous voyez, là, il laisse les trucs sales. Le porridge, bien sûr. Évidemment. On va nettoyer. On va attendre qu'elle finisse. Bien. Oh, c'est. Accueil de visiteurs a servi 3 points. Ok. Pas de soucis, madame. Allez-y. Je vous en prie. Ok. Allez, on va nettoyer ça. On passe au niveau vaisselle. Et on nettoie. Voilà, impeccable. On nettoie encore. Voilà, c'est vite fait, mais il faut passer à ce passage-là. Allez, mon monsieur. Qu'est-ce qu'il veut? Une bière, voilà. Hop là, la bière est préparée. Allez, je vais en remplir deux autres. Voilà. Moi, c'est fait. Fermez la taverne. Mais écoutez, on va fermer la taverne. La taverne est fermée. Faites la vaisselle. Mais c'est bon, c'est fait, c'est fait. Moi, j'ai plus rien en vaisselle. On attend que lui ait fini de manger, je pense. Ouais, c'est ça. Il est parti. Ah, putain. Hop, voilà. Et on nettoie. Ah, je suis allé plus vite que la musique. Enfin, c'est nettoyé. Servez 10 plats. Donc, bah, écoutez, il faudrait qu'il y ait du monde quand même. Donc, on va rouvrir. On va racheter de l'orge. Voilà. Bon, histoire d'être prévoyant, quoi. Fût de bière, fût de bière. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Une torche, il n'y en a pas besoin. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Par contre, un flux comme ça, on va installer dans la tireuse. Ah oui, direct, d'accord. On va acheter ça. Et ça. On prépare, on prévoit, on prévoit. Je sais que je suis un peu. Je prévois un peu trop en avance, mais. Alors. Il est. Tac. Et on va préparer. On va préparer ça, comme ça. Et. Préparer. Il reste 364. Ça va le faire, ça va le faire. Je regarde par terre s'ils ont dégueulassé un peu tout. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'ils pourrissent. Attendez. Pas drôle, si. Pas de d'arrière. Si, bien sûr, bien sûr. Non. Un client. Tenez, monsieur, c'est prêt. Voyons, moi, c'est prêt de suite. Niveau du seau, je vais remplir de l'eau. Ah. Hop, c'est fait. Vous voyez, au début, c'est un peu répétitif, mais vous inquiétez pas.
Vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Là, je pourrais pas tout faire sur cet épisode-là. On en fera un autre, bien sûr. On fera la suite demain. Mais je peux vous garantir qu'il y a de quoi faire. Bien sûr, tiens, regarde, tout est prêt. Tout est prêt, madame. Tout est prêt. Hop, ici, il y a encore une quête. Servez 10 plats, mais voilà, ça fait. On va nettoyer ça. Ah, bah c'est prêt. Bien. On va prendre ça. On va préparer bien sûr le fût. Hop. Et le seau. Ah, lui, il veut quelque chose aussi. Et bien sûr, tout est prêt, monsieur. Tout est prêt. On nettoie, comme ça c'est fait. J'en mets en manque. Hop là, ça c'est prêt. Hop. Et voilà ce qu'il faut en bière. Oh les tables rondes, un coffre. Faut récupérer un coffre, mais pour le moment, il faut de taverne. Là, ça c'est fait, je récupère ça. Au niveau des objets, on va nettoyer de la bière. Ok. Oula. C'est bizarre. Il y a 492, ça c'est pas mal. Ok, le pourri, on va le préparer. Hop. Il faut 5 d'orge. Et voilà, parfait. 5 d'orge. De l'eau, c'est parfait. Et voilà, parfait, tout est bon. Tout est bon. Je prends ça, je dégage tout, on va faire correct. Tiens, voilà, impeccable. Allez. On nettoie. Il me faut de l'eau. Ça, c'est prêt. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà. On remplit. Allez, on reprend de l'eau. On reprend de l'eau vite. Hop! Le tavernier, il travaille jour et nuit. Et... Il est pas fatigué. Hop, c'est bon. Tac, c'est fait. On nettoie. Voilà, on peut parler d'eux. Ça, par contre, c'est abusé. Tu prépares déjà les assiettes. C'est déjà nickel, quand même. Oh, j'avais pas vu ça. Ça fait pas propre, ça. Hop, on dégage ça. Qu'est-ce qu'il veut? Yeah, tiens. Pas de problème. Allez, je vais nettoyer. Enfin, j'ai le temps, je le fais. Après, vous allez voir, il y a beaucoup plus de monde. Il n'y a pas trop le temps. Je sais pas si dans ce jeu on peut embaucher des gens. Je crois pas. Je ne crois pas. Bah. 21 pièces d'or à 16 XP. Ok. Voilà. On prépare la bière. Voilà. Allez, tiens. Bière anglaise. Parfait, ça. Parfait tout ça. Ça tourne bien. Je suis là. Hop, j'enlève ça.
D'après vu l'heure, je pourrais pas rester trop longtemps. Oh, ça va, 3h10, putain, je m'attendais à pire que ça. Je vais nettoyer. Hop. J'ai quoi? J'ai combien? Ah, ben je vais acheter une autre table. Acheter une autre table. Non, c'est pas toi. Ça m'intéresse pas. Meuble. Table. Je pourrais prendre le coffre, mais pour moi, je n'en ai pas besoin. Table, je vais la mettre. Et non, c'est pareil. Ça y est, là. Ok. Pareil, monsieur. Je vais le mettre comme ça. Ah, ah, ah. Hop. Bien sûr. On peut passer là, ça. On peut passer. Ah, hop. Là, c'est le fût est vide. Prendre le fût, on peut le laisser. Je pense. Faire ça. Routine de la taverne. Ouais, mais pourquoi routine de la taverne? Continuer à développer la taverne, cuisiner, servir. Ok, bon ben bah, écoutez. On va nettoyer. Hein. Okay. Écoutez, je pense qu'il faut gagner l'XP. Hein, tout simplement. Au niveau de l'eau, j'ai assez. Donc je vais remplir ça. Hop. Voilà. Donc ça. On va préparer un fût. Ah, il faut aller chercher de l'orge. L'orge. Vas-y, mange, mange, mange. Mange, il me faut du pognon. Greetings, traveler. Greetings. Hop, de l'orge, parce qu'il faut refaire la bière. C'est pas pareil. Ah oui, monsieur. La bière, la bière, la bière. Il n'y a rien de mieux. Oh, putain, l'eau. Moi, j'y fais gaffe à chaque fois. Allez, on va y arriver. Oh, tac. Ok, ah, une dame. Bonjour madame. Oh, c'est un peu léger votre truc là. Ah, oui. Hop. Du coup, il faut en refaire. Il faut que j'aille en acheter. Allez, on va l'acheter. Ah. Oh, yeah. Il manque une. Vas-y, régale-toi. Deux bières, barbe. Deux bières dans le gosier. Ça, c'est bon. Greetings, traveler. Oh. On va en prendre deux. On va faire avec. Donc ça. Voilà, merde. Ça du coup. Bon, je 5, il me faut de l'eau. Ah. Oh putain, il y avait ça par terre. Oh Dieu, ils m'ont jeté mon truc par terre. Je t'attendrai. Allez. Let's go. Un fût de bière, ok. On va le faire après. Hop. Allez, courage. Courage, 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 courage. Je vais attendre. Allez. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, les amis. Vite, 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 va aller. Mange. Je sais pas qui te mangera. Oh, putain. On va nettoyer tout ça. Allez. Oh.
Elle vient juste d'arriver. Hop. Parlez au marchand. On va fermer. Ferme. Voilà, ferme. Parlez au marchand. Ah, je vois que les choses passent bien, j'attends de faire pousser vos propres plantes dans le jardin. Ah, voilà. Vous trouverez des parterres ainsi qu'une créature qui vous guidera. Ok. Ouais, si bien c'est flippant. Allez, on va voir. Pour moi, j'ai fermé esprit. Allez voir ce qui se passe. On va nettoyer tout ça. On va tout préparer pour que ce soit nickel. Ok. Donc là, de l'eau, je remplis de l'eau. Là, on va parler à monsieur. Hello, Scary. Salut, Afro. My mother said I'm. You are. You're a very handsome scarecrow. For it used to be a. Il y avait tout un champ d'air magique et tout, blablabla. Nous rangions tout ça. Donc, il vous explique en gros, vous avez un champ ici. Et là, tout. Ok, ok. I'm talking about the garden. Here, you can grow fruits and vegetables. It's possible, though you'll have to. I think I'll start with that. Well, good luck. Déblayer le jardin. Voilà, c'est ça. Tac. On nettoie. Donc, du coup, vous avez un petit jardin où vous pouvez planter vos plantes. Hein, voilà. Et ça, c'est cool. Voilà, hop. Il en manque un. Et ça, c'est fun. Voilà. Est-ce que j'ai des graines? Pas du tout. Retournez voir l'épouvantail. Hello, Scary. You don't have to remind me about it. The job is done. Yeah. It's time to plant something. Retrouver des graines, des herbes magiques, machin. I don't plan to grow it. Sure, c'est viscéral. Voilà. Les herbes magiques, c'est interdit. You're welcome. Good, good, good luck. Ok, ok. Allez. Trouver des graines sauvages. On va chercher. Bon, je vais vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Il va me falloir une autre hache. Il va me falloir une autre hache. J'ai 300 et quelques. Ah, pardon. Hop. Je sens que je vais me faire avoir. Hop. Il y a des fois des créatures, donc c'est pour ça que je préfère l'avoir d'avance. Ah, il y en a une autre là. Des plantes à récupérer. Et là. De maïs, oh le champi, oh le champi, t'es vu toi, pas aller là. Hein. Ok, oui, j'ai compris, j'ai pas le droit d'aller là, j'ai compris. Râle pas. Ouais, plante, j'en profite, il n'y a pas de monstre. J'en profite. Ok, il y a plein de trucs encore, hein. Je pense qu'après on pourra se déplacer. Hein. Bizarre ça, il y a des maisons là. Ouais, il y a des trucs ici. Ça doit être un marché ou un truc comme ça quoi. C'est, ça a l'air cool hein. Ça a l'air cool. Voilà, il y a rien. Oh, champignon. Hop là. Effectivement, il va falloir un coffre à force. Oh, de l'orge. Parfait. Bon. Yes encore. De l'orge, très bien. On fouille tout, on en profite. Hein. Tout fouiller, tout fouiller. Hop. Après, il y a des trucs qui reviennent. Hein. Oh, il y a un sanglier là-bas. Un sanglier, les gars. Regarde-moi ça. Allez. De la bouffe, de viande crue. Pour une nouvelle recette, ça. Ça, c'est bon. Ça. Un champignon. Champignon. Allez. Ça, c'est top. Un autre. On va pas se priver. Hein. On ramasse ce qu'on peut. On va avancer quand même dans l'histoire, mais j'en profite vraiment là. Il n'y a pas de créature, il n'y a rien, ça, c'est top. Après, ça arrive plus, ça. Et on aura toujours des créatures.
Hop. Ouais, juste avec la hache. Après, je crois qu'il y a des flèches et tout. J'ai vu, il y a un arc. Y'a rien là. On va retourner à la taverne. On va retourner voir les pourventailles surtout. J'ai loupé des trucs, hein. C'est pas possible. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Ça c'est quoi là? On peut pas les cuire ça? Alors les pourventailles. Good day. Hey there, I've got the seeds. Are those the ones? The ones. Wow, I wasn't hoping. Plant them ASAP. Ok. Il me faut une houe, je crois. Maybe there is some kind of technology. You plow the ground with a hoe, plant it, water it with a watering can, fertilizes to your taste. You need a lot of heat and light, but there are no pro- Understood. Seems fairly simple. I'll take care of it. Oh, I can't wait. Sanglier. On va chercher la houe après, mais le sanglier, il faut. Voilà, sanglier. Ça, la partie que j'avais fait pour tester, j'en avais trouvé qu'un, quoi. C'était hyper rare. Ah putain, deuxième. Waouh. Allez, on va chercher une houe. Et ça, 199. Je sais pas si j'aurai assez. Je crois qu'il me manque une pièce. Quoi. Je vais vendre un truc. 200 pièces. Oh, je peux pas vendre. Je peux pas vendre. Allez. Pour ouvrir le magasin, je vais gagner des sous. Oh putain. Il est 3h22, ça va, je vais encore tester un peu pour planter les trucs. Voilà, toile d'araignée. Voilà. On prépare le bridge. On va en faire d'ailleurs. Hop. On a de quoi faire. Pas de. Ah, aussi, le toile d'araignée là. Ok. Oh putain, il est long. Allez. Tu vas nettoyer toutes tes propres. Bordel. C'est quoi ça? Emplacement vaisselle? Placer un plat. Ah ouais! D'accord, tu peux placer tes plats tout près, quoi. Oh. Ah ouais! Ok, putain, c'est cool ça. Putain, c'est fun. Tu prépares tes plats. Voilà, hop. Ok, 220. Allez, c'est bon. Je vais acheter la houe. On va chercher ce qu'il faut. Bien sûr, il y a quelqu'un qui arrive au même moment. Évidemment. Voilà. Eh ouais, ça c'est quand je pense qu'on travaille à plusieurs dans le jeu. Je pense que c'est ça. En fait, le mec qui cuisine, il va préparer les plats, il les pose, puis les gens ils viennent le chercher, quoi. Ça, c'est cool, hein. Franchement, c'est pas mal ce truc. Vous préparez vos plats en tant que cuistot, et le serveur ou la serveuse, il va tout mettre en place, quoi. Et ça, c'est fun. Allez, on va commencer à travailler le champ. Il doit y avoir quelqu'un qui est arrivé. On va aller voir. Voilà. Allez hop, deux shots de bière.
Vas-y, mange, bois. Qu'est-ce que tu veux? Good day to you. Allez, on prépare tout. Allez, on va aller voir où ils en sont. Une autre personne, évidemment. Là, il n'y en a pas d'autres. Évidemment. Et évidemment que si. Ok, on va faire ça. On va encore finir. Après, il faut implanter. +48. Ok, on va aller voir pour les clients. Oui, bien sûr, il y a un client. Bien sûr, il y a un client. Venez, madame. Venez, madame. Nettoyez tout ça. Ok, il faut remplir l'eau. Allez. C'est excellent. Vraiment, je pense que la prochaine fois, je jouerai avec des collègues. On va se régaler. Le dernier. Ok. Bridge. Voilà, je vais récupérer le bridge qui est là-bas. Oui. Ah. J'ai pas assez. Ils sont occupés des assiettes. Oh putain, elles sont là. Nettoyer ça. Et après, on va fermer boutique et on va s'occuper du jardin. Il me semble que j'avais plus d'assiettes de que ça. C'est quand même fou, j'en ai 3. Bon, pas comment j'ai fou mon truc là. Non, monsieur, c'est ferme. Voilà, cassez-vous. Hop, allez. Alors, les graines. Les graines, on va les mettre là. Et c'est parti. Une. 2, 3 et 4. Voilà, on en a 4. Impeccable. Voilà. Quand vous allez dessus, vous attendez. Vous n'avez pas besoin de les arroser. Bon, ça, c'est cool. Bon, voilà les amis. J'espère que ce jeu vous intéresse. Franchement, moi, je le trouve génial. Voilà. Je le trouve très sympathique parce que jeux de simulation, ils sont toujours modernes, on va dire. Là, c'est un côté vraiment... Voilà, un peu World of Warcraft et tout, aventure. Je trouve l'idée superbe. C'est très plaisant. Le fait qu'on peut le faire en coop et tout, je trouve ça super cool. Franchement, il y a l'idée et ça pourrait être encore plus développé, etc. Moi, je vois bien le truc où tu dois organiser des spectacles, etc. Enfin, louer des spectacles et puis faire des trucs de fou. Ça peut être énorme. Oh, putain, le bâtard, évidemment. Ah, le bâtard. Évidemment, il arrive au bon moment, lui. Le mort-vivant. Voilà. J'ai perdu de la vie, alors je récupère ça, je peux le revendre ou le mettre en compost. Normalement il arrive et puis il attaque à l'intérieur du truc quoi, carrément. Pas fermé ça, non pas. Bon voilà les amis, voilà, donc il reste 60 points de vie, je vais sauvegarder et on fera la suite peut-être demain en live. Et pour ceux qui auront sur YouTube, et bien, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, allez, sur ce, c'était Nicoco. À la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et si vous voulez voir la suite, voilà. Allez, ciao, ciao, et les pouces bleus, bien sûr, évidemment, les pouces bleus, c'est important. Ciao.